le directeur de l'ANR, M. Kaleb, interdit à ce que je puisse aller dans mon village. Je ne sais pas s'il a le droit d'interdire quelqu'un d'aller dans son village ou prendre son avion. La fois passée, j'avais besoin d'un vol médicalisé en provenance de l'Afrique du Sud. Il avait refusé. Aujourd'hui, on fait descendre mes enfants de l'avion et après plusieurs tractations, on a autorisé après 2 heures de tractations. Nous ne pouvons pas accepter ça. Monsieur Kaleb n'est qu'un directeur de l'ANR. Il doit faire aussi très attention. Et s'il arrivait quelque chose à ma famille, il est responsable. À mes proches, il est responsable. Même s'il arrivait quelque chose sur Moïse Katumbi, concernant ma sécurité, il est le seul responsable. C'est plus qu'une dictature, parce qu'aller dans son village avec un avion, l'état de droit, où est cet état de droit? Il est partout. Le tout-puissant Kaleb, si je peux le dire comme ça, il est partout. L'arrestation des gens, c'est lui. L'autorisation pour les avions, c'est lui. C'est lui qui donne même des ordres au ministre. Monsieur Kaleb doit arrêter tout ça. Et il travaille pour le peuple congolais. Il ne travaille pas pour tuer ce peuple congolais. Il ne travaille pas pour arrêter le peuple congolais. Et puis la deuxième vidéo que vous avez vue, Isaki na Tchango. Certains médias pro-Katumbi, pro-Martin Fayulu Balobi, que la population est télémie et désistée et lobby et ça dit des ordres. Bah, Betty Fayulu na Tchango. Population a déjà sous zobaté. Population déjà fumé misou. Population déjà comprend déjà ba génabino ba opposant. Population déjà comprend de ba flatterie na bino boula kanango ya ba polo ya ba biscuit ya ba 3000 ba 4000. Aujourd'hui la population a se rendre compte que non té mboka e kokende. Ceux qui tout kolanda ba opposant ou ceux qui tout kolanda bango. Toujours risqué mboka na biso e kende. Na maboko ya ba étranger. Bande kolanga les États-Unis menacent d'arrêter Moïse Katumbi. Les États-Unis menacent d'arrêter Moïse Katumbi. Mathieu Balouki, candidat de l'étranger, mais ba occidentaux, ba étranger en moins question, ba Balouki le sous Katumbi. Est-ce que la Katumbi n'a pas rempli tous les points aux communautés internationales depuis ce qui était? Toi Katumbi a tapé poteau n'a pas point aux communautés internationales depuis ce qui. Parce que nous remarquerons que nous, tant que nous avons la vie infos, pour comprendre la place de la communauté internationale et comme ce qu'on a dit. Candidat de l'étranger, mais abattu à l'étranger. Donc, il y a un candidat de l'étranger, mais l'étranger, le sous-basé, quand
Ma quartier, quand Félix Antoine Tshisekedi. Au moment où nous sommes, Bandekounanga, renforcement des hélicoptères au Mokonzambouka, à Teli, à Pessi, à FRDC, pour nous soutenir Bangokaka. Parce que Bouyebi, qui est FRDC, Mikolo, qui est Wazale, qui est dans le Makasi, qui est dans le renforcement de Mokobouye, et Kota pour permettre Bango. Et permettre Bango ba kende liboso. Bande konanga na kotangi la bino actualité. Wana avant tout kota non na makambu ya profondeur ya bakatum ya Fayulu ya Katumbi. Tangi la bino actualité. Actualité za makasi si bande konanga actualité za makasi. Bon, avant tout kota non actualité profonde. Totanga non commentaire ya ndeko na biso moko. Na otanga kombote me apesi idée ya malamu pe. Alors, il vit situation, il y a insécurité. Il faut tout sombata 50 avions, peu autant des hélicoptères et des drones. Et ce qui est possible d'avoir une satellite d'observation propre aux frontières et l'Ekimolaï. Il faut que des missions aériennes dans toutes nos provinces, chaque fois même là où il n'y a pas la guerre, on appelle la dissuasion. De wana biso apprécie idée ya malamu, merci na commentaire ni parce que na ba commentaire ni tous les autres yaka commentaire o touchera biso makasi et permettra biso to do bango sou na émission parce que lokola ba kondi mususu to ba mususu bazalaka na relation na ba kondi ba kataka mo ba partir ba vidéo na biso ba tin la kango ba kondi botala no idée o ndeko o lobby botala no idée o hein il sera ka plus moi bien. Il y a au moins une idée moro pour tout ça quand l'émission mobile qui ça fait déjà 2-3 semaines l'émission mobile tout ça là quand tout le bas que non il y aura une frappe aérienne il y a bah drone nabiso donc drone nabiso est qu'on frappe tout près ça quand idée on a par rapport il y a que la drone est un peu sensible drone pénis au moins on a peiné des frappes aériennes non et qu'on a la macasse puis tout mon arabe qu'on zambou qu'on va saler la caille en gros drone qui n'a pas qu'on frappe donc il y a que non bah idée monsieur peut tout près ça quand il est très important. Merci na commentaire yende konabiso oyo. J'espère ba kondambo ka bayoki yango ba ope buzana connaissance. Na ba na ba kondambo ka bukutinda pe ide yende ko o na bandeli yango vis situation ya sécurité, il faut tout somba ata 50 avions pe autant des hélicoptères et des drones et ce qui possibilité d'avoir une satellite d'observation propre aux frontières et les camps et les Kimolaï. Ils ont payé à malam qu'on a satellite la biso ou ils ont annoncé la biso bas surveillance hein qu'on a annoncé la biso moi macambouébélé parce que bah plupart y a bas pays africains ébélé bah comme il y a qu'au côté na initiative y a mindélé hein qu'utindara bas satellite et tout mais nous on a ils ali une idée moko il faut mettre ça en place ce qui est comme il y a mon konzambo quand ça l'a intéressé na bas idée à malam parce que mon konzambo quand ça le rôle à Kabila t ou à l'axe biso ce qui satellite moral les canons petits les lots et moi on a rien de tout jeté et qui n'a ce qui voit plutôt éviter mais avec le président Félix Antoine Tshisekedi des idées pareilles ils ont idée mon coeur malamou parce que mon konzambo kaya récoltera toujours ma cambo malamou pour na kouyebanako sale la mboka quoi. Voilà Tozongi, le commandant suprême met à la disposition de l'armée de l'air du FARDC 6 hélicoptères et des avions de combat. Il existe d'autres armes nouvellement équipées qui n'ont pas encore été révélées au public. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'envoyer des troupes terrestres au Rwanda, de chez nous. Nous pouvons rejoindre Kigali et leur faire tester leurs propres médicaments. Bande konanga awasko plaso yo. Puissance ya Mokonzambo ka ekomi. Tant Mokonzambo ka loba ki, crépitement de balle moko ya mouke kakabouye, nan kousa la, faire face guerre na Rwanda. Certains Congolais ba lobi ke non te aza charlatan, a loba ganae kakabongo, déjà loba bongo, déjà salabou. Écoutez, ba dispositif e belé ya guerre, toza na yango. Mais ce qui est le problème, c'est quoi? Pour attaquer le Rwanda, Tozan a promis de attaquer Rwanda. Mais il faut comprendre une chose. La communauté internationale
et soutenir Kagame coûte que coûte. Militairement, financièrement, tout là. Alors, pour faire guerre contre les Rwandais, il faut désolidariser d'abord le support de la communauté internationale. Tant que vous avez dit que Kagame ne place pas le bisou sur le côté de Rwanda. C'est pour cela que vous comprenez que non. Même l'aide financière, même l'aide militaire, il y a comme il n'y a pas de Rwanda. Pourquoi? La diplomatie agissante sur Mokonda Mboka et comme si qu'on mema si qu'on Kagame vers la chute. Combien d'hélicoptères? 6 hélicoptères et 2 avions de combat. Donc tout ça qu'on approvisionner toujours pour local a tout commis déjà la préparation à guerre. Mais bien c'est qui bino que non Mokonda Mboka allait déterminer. Mokonda Mboka déjà commis dans ils ont le rôle la moto motema de Suki. Motema DG Souki a commis prêt à lancer guerre contre les Rwandais. C'est pour cela na bandé li sous ce message na bandé qu'on a biso au boza na Rwanda. Beaucoup me la biso na commentaire, je suis au Rwanda congolais. Je suis au Rwanda congolais. Dégagez de maintenant na Rwanda parce que la frappe sera sévère. La frappe sera sévère. Bombardement sans pitié na Rwanda. Bon, quand ici, et nous sommes sur quand ça va approvisionnement, il y a avion, il y a hélicoptère militaire, nous sommes tous au sommet, ils allaient pour nous faire un misé, tout que nous avons fait un mot. Dès que Katoum, il y a le bac qui a causé Soukoy 25 dans le buisson, à tirer un misé, tout que nous avons fait un mot. Donc, vous comprenez que non, la personne a une incapacité intellectuelle, une incapacité politique, une incapacité intellectuelle. Yemokona nous avons la difficulté déjà à gérer ma problème naï. Ce qu'on aille les sous ce gérer mon cannabis, c'est pratiquement impossible. Bande konanga ba avion nyo surtout au beaucoup mon amour konzambo ka kosomba. Ba drone nyo surtout mon konzambo ka kosomba. Ce n'est pas pour mettre ça dans un musée et puis inviter des Congolais ou soit la, les étrangers ou soit ba visiteurs ba ya kakuta la yaroga bazana ba avion boui bazana. Non, c'est pour combattre. Nabanguna oyo banga ba récupérer l'est de la République. Non pas l'est de la République mais zinga zinga nyoso tous ala ba Congo, ils ala ba bandundu. Ils ali pona kuyeba na ko protéger bande ko na biso nyoso tout oyo yo bazali na maguia banguna o ba ko déranger bango. Si hélicoptère de guerre et des avions de combat. La frappe sera sévère. La frappe sera sévère. Bande konanga, Wazalendo aza ko avancer avec ba prouesse ya makasi. Certains Rwandais M23 ba boula ki lokola peut-être que non na ba cesser les feux ou ba ko ki ko profiter. Bah, il y a la récupération de mine ya Rubaya. Parce que mine ya Rubaya, ils allaient dans ma camboué, belé dans 4. Mine ya Rubaya, oh, place au Mwanga Chuchu, abanaï konyo kola naba, naba tué belé. Parce que Mwanga Chuchu, pas azarapé na mine, azarapé na nino yo. Tare mine na Rubaya. Donc, lelo, Kabila, memeli biso, bah, étranger, na 4 yambo kanabiso. Bah étranger bah comme il s'est imposé dans Katambo Kanabiso. C'est pour cela que si Kabila a raison de l'autre d'autre part oyo abengana Katumbi a ketinda en exil parce que Katumbi s'est rebellé contre Kabila. Un étranger bon mi balé bah étranger mais étranger mon ko abengani moninga parce que a bétié coup de terre bah minéré. Donc Katumbi aujourd'hui azaka na makile bah jida ndenge Kabila a expliqué biso lobi que non. Ce qui n'a moni Katumbi n'a comme on a jida. Pourquoi benga abonga Katumbi jida? C'est parce que Katumbi a une idée. Tout a une politique y a bas jidaïsme. Oh les alinin. Bozo vanda na ebiye, mais ce qui mbongo yé boyazu a tekiyo. Yé a vu a récupérer mbongo, envoie mina yango, a avancer à keili boso. C'est comme ça avec Katumbi. C'est pourquoi
Il est à tout prix, il cherche à tout prix récupérer la RDC pour vendre à la communauté internationale, enrichir sa famille, enrichir ma proche Naé, enrichir. Malheureusement, prophétie, il y a Papa Simon qui m'a dit qu'il faut agir. Un étranger viendra vous faire la guerre pour récupérer les pouvoirs, pour la diriger Bino. Et puis, à cause de là, accompagner Nabato au Bazali de père et de mère. Batouana va trahir Mboka. Et puis, étranger, on va faire ça de manière, on surtout, mais, et qu'on s'imbatte. Et ça, les lots, qu'on vivre. N'engani, ni bako combattre le président Félix Antoine Tshisekedi. Par les étrangers, pas seulement Katumbi, mais aussi la communauté internationale qui est en train de menacer le président Félix Antoine Tshisekedi. Mais au moment où nous sommes, Machibalouki. Machibalouki, la communauté internationale met en garde Katumbi. La communauté internationale, les USA, la France, tout la Grande-Bretagne, l'Allemagne, met en garde Katumbi. Pourquoi? Bah, il faut comprendre que Katumbi était un petit joueur dans la politique. Donc, la communauté internationale, lobbying, il y a Katumbi, il y a Katumbi partout. Bandeko Bimisa Katumbi étant un politicien à la hauteur. Mais la politique, il y a communauté internationale, tant qu'on va comprendre, déjà, ils allaient trop tard, bah, financer déjà Katumbi, bah, Pessi Bambongo. Bah, il faut comprendre que non, Katumbi est un bébé politique. Donc, Katumbi ne fera jamais poids face à Félix Antoine Tshisekedi. C'est pour cela que vous avez remarqué que non, la Grande-Bretagne, la France, tout, bah, il faut ça la déclaration. Non, qu'on a mis une déclaration. Katumbi, Zali Mawa. Écoutez, élection en RDC. Une dizaine de nations occidentales, dont la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne, salient l'élan démocratique des Congolais. Pourquoi? Au moins, pendant les élections, la politique est belé, la qui sera le poids politique. Aux à l'opposant, aux à la partie au pouvoir. Mais façon à Komemila Makambuna pendant les élections de Kolaksagano aux un poids politique. Mais Katumbi aujourd'hui n'a pas de poids politique na Makambo Itali politique Yambo Kanabiso. Katumbi a un poids de diriger le football congolais. Côté Monique Tolobaka, Bota ata Katumbi ministre des sports. Parce que à côté à Makambuya Bale, a dans moi connaissance. A Koyeba na ko gérer Makambuya Bale bien. Mais Kota Katumbi à la tête du pays, diriger le Congo, ça sera pratiquement impossible. Là, nous ferons appel à la loi, Oezali, la loi de père et de mère, Noël Tchanamimé Labissou. Pourquoi? Parce que nous avons vécu avec un étranger pendant 18 ans. Nous avons subi ce que nous avons subi. Et c'est pourquoi Toloba qui tokoko talisou sou na erreur au Tosaka na 2006 cité ya ko voter un étranger o yaye a ko sou la ba na mboka ba lobi na bis Kabila zungisa babiche koyalobi. Nous comprenons que non, Kabila était un incompétent o azala ki atana connaissance ya langue na biso te, mais Kabila ye ko li langue na biso pendant dira sa reine. Alors, tout soit dit sous Katumbi, tout hébergé dans le cannabis, moto à quoi il s'agit. Bana Mazembe balé là. On ne comprend pas. Le monsieur parlait de quoi? Lui-même en question, alors c'est tourné. Ami Kamo, aïe bate que non. Ah ouais, non, Kolobani. Alors, prendre Katumbi, lui mettre, ou soit, à la présidente de la République, c'est chercher un chaos dans la République démocratique du Congo. Pourquoi les États-Unis. Et puis, communauté occidentaux, dégoûté Katumbi. Tout d'abord, il faut comprendre une chose simple. Katumbi a un problème de comprendre la politique congolaise.
Deuxième chose, Katumbi a un problème grave de faire la différence entre la politique et le football. Parce que hier, dans la politique, azo déroute. Donc, ils ont le rôle à moutoua, yébina kokoumba moutou kate, ou péché moutou ka. Akouboma batoué belé. Ils ont n'engé moukona Katumbi. Tozo voyager. Chauffeur ou azali compétent, azali déjà une expérience. Bonjour, 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 non. Tout ça, nous, oyoyo, azali une expérience, c'était. Ou soit, chauffeur, y a, tout petit exemple, chauffeur, y a remorque. Ordo kumba remorque, aébi déjà n'engeni ni déjà la même maka remorque. Parce que, aux autres chauffeurs, aux autres kumba voiture, y a moukie, loko la ketch. Aux autres pèse remorque. Ou les ali, vous allez dans souci, à bon misabino, bah passager, vous allez dans quatre. Parce que, à cause de la maîtrise, à ta moukie était à quoi, bah, d'accord, gérer remorque. Il concerne à l'aise sous temps pour qu'on en maîtrise à quoi gérer remorque. Mais ce qu'on attend, on a nios tout et qu'on s'est avec le président Félix Antoine Tshisekedi, Tokosa là-bas pour ouais c'est belé n'attendre. Avec le président Félix, n'attend au Bani Katumbi Malingi Azwa. Toko développer le Congo, ma casse avec le président Félix. C'est pour cela, tant que vous coupez ça y remorque, souci n'est qu'aux Alanine. Vous pensez remorque ya Kumbabino, mais Azwi remorque a teki anguna ba passager dans tout Azwa Mongo. Pour régner ça la makamoussou ça peut y émoro le sous à combien sous passager le sous dans quatre remorque donc elingi koloba boy Katumbi soki bo pc remorque le colazan la connaissance ya kokumba remorque était à cause wa remorque wana o isaïe la république démocratique du Congo a tekeli en communauté internationale et puis Kagame tant que va couper ça et bon hier a commis le quoi simple individu va commis qu'on manipuler kaka allez voir salaboui allez voir beta boui allez voir salaboui allez voir salaboui. Peuple congolais tout fumola misu. Katumbi aujourd'hui rejeté par la communauté internationale parce que la communauté internationale bango moko va comprendre que non, le monsieur n'a pas de poids politique face à président Félix Antoine Tshisekedi. Alors une personne de telle façon, moutou azali na niveau moko médiocre sur la politique congolaise, ils ont singani tout c'est dissolu français plus mobile. To kabwanana yé. Peuple congolais, ceux qui t'ont compris de ma cambo ou bien, tout d'abord, bandeko ou yobo kolandabi soba congolais de père et de mère. Ou yobo zali na Rwanda. Si réellement vous êtes en Rwanda, vous mettez la bise dans le commentaire. Je suis au Rwanda, congolais. Je suis au Rwanda, je suis congolais, je suis au Rwanda. Vous mettez la bise, vous pouvez comprendre déjà. Parce que, il y aura une frappe qui va bouger le Rwanda, qui va bouger Kigali dans quelques jours. Tant que nous avons une mission dans la dernière fois dans le bar, que nous frappons, nous avons mis dans le drone. Nous avons mis dans le roi ventir. Mais il y avait certaines personnes qui ont un secret militaire pour le Kayango Ping Ming-Té. Non, c'était une façon d'avertir déjà le Rwanda. Au moins, le secret Moussousou, il est léger. Parce que secret Moussous est là léger n'engeni. Ils ont vraiment approfondi, ils ont encore l'icolo l'icolo. T'as vu encore quand tu es ici, bah ils ont le droit alerte, tu dois alerter, bah on peut tirer les locaux boy. Ceux qui vont continuer, toujours frapper. Alors vu que Kagame a zara tété, quand il va s'entêter, c'est par là que nous nous allons profiter d'attaquer des bombardiers qui gagnent. Nous sommes prêts à faire la guerre contre les Rwanda. Nous avons tout ce qu'il faut pour combattre les Rwanda et Paul Kagame. C'est pour cela que nous appelons la population congolaise qui vit au Rwanda de quitter immédiatement le Rwanda. Parce que, Baloba Yango, la guerre sera longue et populaire. Alors, vu que la guerre sera longue et populaire, il faut se méfier. Vaut mieux à l'envie que Okufana Rwanda. Vaut mieux à l'envie que Okufana Kigali. Na Gisenyi. Bande Konanga. Peuple congolais du père et des mères. Situation est très compliquée.
Tozongi siko na dossier ya Fayulu. Ah, Fayulu, Fayulu a remis au sexe abisso. Fayulu basali déclaration, balobi marche le 27 décembre, mercredi. Marche au salama. Après la première vidéo, il y a Katumbi Ozaki ne Bandeli. La deuxième vidéo, il y a vidéo, il y a Fayulu. Nengeni na sali ba désordre na ye. Na tchang. Mais il a été frappé grave. Parce que bana ya tchang ba lila mo kondjambo ka Félix Antoine Tshisekedi. Yo kama kamouni ni Fayulu alobi. Martin Fayulu, Denis Mukwege et d'autres candidats présidents informent les gouverneurs de la ville pour une grande manifestation publique prévue ce mercredi 27 décembre à Kinshasa. Ce qu'on a, et là, et puis si bien sûr moi un peu kanda pour te dire que tu démolir moi mon kate Fayulu yo comme rambalobi. Mais c'est le gouverneur. Objet. Information sur l'organisation de la manifestation publique des candidats présidents de la République prévue pour le mercredi 27 décembre 2023 dans la ville de Kinshasa. Sur le fondement des dispositions de l'article 26, article 26, c'est là tout quoi qu'on démolit, tout quoi puis qu'on fumola, on peut tout penser, on peut faire un minimum éclaircissement de la constitution. Nous vous informons que nous projetons une marche pour le 27 décembre 2023. Nous protesterons contre les irrégularités constatées lors des opérations de vote du 20 décembre 2023. Et avant, nous protesterons par ailleurs contre l'extinction au-delà du 20 décembre 2023. Des opérations de vote par la CENI en violation de la Constitution et de la loi électorale, notamment dans les dispositions de l'article 52 de cette dernière, les irrégularités sues évoquées attestent à la suffisance que le 20 décembre 2023, il s'est agi d'un simulacre d'élection organisé en violation du droit fondamental du peuple congolais d'être dirigé par un président de la République et des députés et sénateurs régulièrement élus, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Constitution tel qu'affirmé par la Constitution sous R Constitution 0. Notre marche partira du boulevard Triomphal en face du stade de Martyrs jusqu'à là. CENI sur le boulevard du 30 juin. Vous voudrez bien en prendre acte. Nous vous prions de croire, monsieur le gouverneur, à l'expression de notre considération distinguée. Donc, Fayulu, aligné à un spectacle, après avoir créé du désordre dans Tchangoulilo, Abetami Azu O Esengeli Azua, bango idée za randengeni na changu ba yebale ki ko financer population ba financer population congolaise na o esengela ki ba financer après avoir financé population congolaise ba pesi bango ba équiper bango ba pesi bango mo mabanga mo nini nini tout ndenge ka bango ba stratégie na bango ezalaka après avoir coupé sa bango la population commencé a créé du désordre de bango pour la nini baye bana pour filmer. C'est pour cela que vous avez remarqué la vidéo qui a été filmée, et là qui filmé par un téléphone moko médiocre, par un téléphone moko ezatana tinate. Mais ce qui est bizarre, c'est quoi? Martin Fayulu alobi awa bien. Martin Fayulu Denis Mukwege et d'autres candidats présidents. Au moment où nous sommes, Mukwege déjà acquis avant publication élection. Mukwege acquis déjà avant publication élection. Même n'est pas dans Yemoro Mukwege kuna na este ba voter été. Beaucoup mona ba résister zobi makalate. Donc même Yemoro Mukwege pa inaya za la kuna ba voter été.
Parce que pourquoi va voter? Va comprendre que Mukwege est un incompétent. Mukwege est mieux placé de faire la médecine qu'à la docteur avant d'en être docteur naïf. Mais va comprendre que brusquement balamoko mais Mukwege a tiki qu'au soigner bango Mukwege a continué balamoko politique. Intérêt glissant qu'au sakanati. Politique intérêt glissant qu'au sakanati. Ce qu'on coûte là bas journaliste oyoyo basan a moins notion. Il y a politique. C'est pour cela que vous remarquerez que Mukwege a sali ma sortie médiatique pénalité parce qu'il avait compris que non, il a des insuffisances politiques. Contrairement à Katumbi. Katumbi ayakana ba sortie médiatique n'a raté kobe la baga bana veya balela bana veya balela bana veya balela. Donc aujourd'hui nous sommes en face devant les oppositions moko médiocres. Oyoyo, nanu kutu ba monita ba résultat e bimiti. Nanu kutu ba proclamer ba ngote échec na bango, mais directement ba komi de ko sala ba marche. Pourquoi? Il en a un adage moko, ba lobaka, ba tchaka maya fufu na mbongo ya nyongote. On ne fête pas la victoire pendant la guerre, avant la guerre plutôt. Et lui ko lobanin. Tant que nous avons une facilité, jamais ça sera la fête. Jamais au côté de la foufoute, chérie, tu as une foufoute, nous avons une foufoute. Ceux qui ont une foufoute, ils ont une foufoute. Ils ont une foufoute, ils ont une foufoute, ils ont une explication. Ils ont une foufoute, ils ont une foufoute. Ils ont une foufoute, ils ont une foufoute. Pourquoi ça marche le 27 décembre? Ce que nous avons compris, c'est quoi? Bah, qu'on ça la marche parce qu'ils ont compris que non, l'échec est de leur côté. Même Moïse Katumbi, comme il a compris que non, la communauté internationale et Boakissié et Tikié et Délesséié, bah, comprendre que non, Azan est compétent directement Katumbi. Bah, qui consacre la déclaration les alliés de Katumbi menacent d'activer l'article 64 s'il n'est pas proclamé vainqueur. Pourquoi? Est-ce que c'est par force qu'on va proclamer Katumbi vainqueur, tandis que il a échoué largement aux élections, na diaspora, na awanaki, na province, nyonso tout il a échoué. Est-ce que c'est obligatoire de menacer le gouvernement comme on l'a de menacer la CENI? C'est pour cela que vous avez compris une chose. La communauté internationale tombe à mon incapacité intellectuelle et puis incapacité politique à Katumbi. Ils ont directement dissolidé leur partenariat avec Katumbi. Tant que vous comprenez que Katumbi est un fainéant politique, est un incompétent politique, vous dites non. Awa siko yo tokoki suku vana Katumbi te. Il faut tout ça ni toast kabwanana Katumbi. Ne plaçons pas qui va ça ni batiki Katumbi. Et au moment où nous sommes, au moment où je vous parle, les États-Unis, la France menacent d'arrêter Moïse Katumbi. Pourquoi? Parce que, et là on y va comprendre. Ils ont compris une chose que non, Katumbi n'est pas bongo. Malgré ma projet, n'est pas bête à qui. Que non, Katumbi a coupé sa biso, ma belle à est. A qu'on facilite biso balkanisation, a qu'on facilite biso koiba minerai, a qu'on facilite biso tout comme c'est une marionnette. Batali balobi non, la population congolaise a ligné discours moko profond scientifique. Mais Katumbi vient avec des discours primaires, bah discours moko ya ba frétin, bah discours moko ya bana ya mikié. C'est pour cela que vous avez compris que non, la communauté internationale va comprendre balobi non. Tokoki jamais qu'on continue avec Katumbi. Tokoki jamais qu'on sera toujours soudain à Katumbi. Il faut changer de position. Nous risquons de perdre tout notre argent et qu'il est en vain alors que Katumbi a échoué. C'est pour cela, tant que Katumbi comprend qu'il est lâché en pleine vente batikiyé par la communauté internationale, les personnes au Katumbi ont commis comme ça une déclaration. Que non, tu dois appliquer l'article autant. Tu dois appliquer l'article autant. L'article Oezali Balobeli. Article 64. Tout en a qui a une émission d'abuso entre Yalobi, si je ne me trompe pas.
article 64 le bique non moto ozi adozo bo kondi to ozi bo kondi na makasi ko soyo loko na makasi to explika ki yango iza logo la yo za na telephone na yo na bimeli opesa nga yango oboy ko pona zo na makasi na ko bimisela yo nzete na ko bimisela yo nini mais sikoyo le président de la république a remporté le pouvoir to a gagné pouvoir par des élections fiables et transparentes. Ce que Katumbi nous parle que non, Babo Toli Bokondi. Par quel moyen? Il n'a jamais été président. Oh, bah, il a été un coup d'état Babo Toli Bokondi. Nous comprenons directement que non, Katumbi fait vice versa. Donc Katumbi aligne une stratégie à Kobot la Mokondi Mboka pouvoir par force. Oh, ils allient à co créer coup d'état, tuer Tshisekedi. Azwa Bokondi et puis commencer à manipuler les Congolais qu'au ça les Congolais au Yalingi. Nous n'accepterons jamais la balkanisation, nous n'accepterons jamais les coups d'état contre le président Félix Antoine Tshisekedi. Katumbi okolir l'air. Au moni ndenge ba tokoma ko loba terme wana, okolir l'air, vie de prière isa omuke. Vie de prière à Katumbi isa omuke. Bande Gonabiso, Katumbi rejeté par la communauté internationale. Vous avez compris que non, ils en attendent Moussousou, tant que Nzamba Bandi Koussa, la Skouma Kamouna, Nzamba Bandi Koubimisa Skoukoumouna, Naliboulou. Parce que nous avons, comment je peux dire, nous avons assisté, il y a Ndengeni Nimokonzambo qui a coupé sa Kongo Valère. Tout le monde ex, maman et mon Ndenge Koumi. Tomoni Upen, ba bâtiment, moko sophistiqué. Nyon sowana izali, ba pouwe sa Mokonza Mboka. Donc, moto oya koubo ya kouvote Mokonza Mboka, se kazali jaloux. Parce que komona Mokonza Mboka, na ba pouwe sa zo sala, na ba avance sa zo sala, ezo laksa deja kenan Mokonza Mboka azali na ba avance kito. Aujourd'hui, Katumbi rejeté par la communauté internationale. Qu'est-ce qui va arriver à la suite? Et puis renforcement de 6 hélicoptères et des avions de combat. Donc bah M23 kalate de nto tanga sko bibembe lisusu. Kalate de nto tanga sko bibembe na Rwanda. Et puis Martin Fayulu a betemi ya kosakanati. Bande kona biso ba congolais de père et de mère. Bino ba oyo yo bolinga patrie. Mais na bandeli message na ngaba congolais obozali na Rwanda boku mi labisu na commentaire je suis congolais ou soit je suis au Rwanda je suis congolais po e matisa biso mo moral boku mi labisu pe na ba numéro na biso WhatsApp Facebook WhatsApp ikusa la biso vrai bien. Tout d'abord je vous laisse suivre une vidéo ndenga nini ba pourrait sa mokunza mokizali. Suivez la vidéo et on peut aussi ces missions. Merci parce que vous le méritez. Vous le méritez parce que on ne vous compare pas à un autre président qui est passé dans ce pays. Ici, nous faisons des comparaisons avec les Belges. Les Belges ont construit, les présidents sont succédés, mais c'est aujourd'hui que nous avons quelqu'un qui construit. L'ouvrage qui est devant vous, Excellence, Messieurs les présidents de la République, c'est pas n'importe quel bâtiment. C'est un bâtiment complètement intelligent. Ici, à l'intérieur, il y a des auditoires, comme en Europe. Même pas une différence. À l'intérieur, ici, à chaque niveau, il y a des bureaux pour les enseignants. C'est-à-dire, lorsqu'ils ont des pauses, ils ont des moments de prendre un petit café, tout est prévu. À l'intérieur, ici, il y a des toilettes modernes. On a même fait des toilettes spécialement pour des personnes de mobilité réduite. À l'intérieur ici, il y a deux bibliothèques. Une bibliothèque numérique complète, complètement équipée, et une bibliothèque physique. À l'intérieur de ces bâtiments, il y a des espaces de récréation pour les étudiants. Excellence, Monsieur le Président de la République, comment on peut aimer son pays de cette manière-là? Nous inaugurons aujourd'hui un bâtiment avec 47 auditoires. Pour l'Université pédagogique nationale,
cet grand soulagement. Parce qu'il y a des années élastiques ici par l'absence d'auditoire. Ils ont pris des 200 promotions, mais avec moins de 15 auditoires. Je crois qu'aujourd'hui, le défi est relevé. C'est pour ça que je dis à tous les étudiants, ceux qui sont ici et ceux qui ne sont pas ici, que ce programme ne va pas s'arrêter à l'UPN. Nous avons commencé des grandes constructions à Bujimaï et on va bientôt inaugurer des grandes constructions à Kananga, des constructions à Bunia, des constructions à l'INBTP Kinshasa, des constructions à l'INIKIN Kinshasa. On ne peut pas tout énumérer parce que le président a dit « ça va continuer ». Lubumbashi, on va arriver. Vous savez, le bâtiment que vous voyez là, à Lubumbashi, on va construire 4 seulement pour l'université de Lubumbashi. À Kikwit, on arrive. Mbandaka, on vient de commencer. Et donc, on sera partout dans le pays parce que Fatih Beto a dit on ne peut pas permettre à nos étudiants congolais d'évoluer dans des conditions qui sont insalubres. Maintenant, nous serons dans les mêmes conditions que les étudiants européens. C'est pour cela, demain, le 20, je n'ai rien dit, j'ai dit bien le 20, avec la grande symbolique du chiffre 20, demain, tous les étudiants, tous les professeurs, les chefs de travaux, les assistants, les CPP, demain, Ekoindae, il faut dire merci à Fatih Beto, je dis et je vous remercie. Les filles, à bas, on va en avoir un peu.